Stark. What can I do for you? Salut à toutes et à tous, c'est Paul de Grain et aujourd'hui, vous l'aurez compris, on se retrouve pour parler de l'iPhone 15 Pro. Alors pourquoi je dis dans le titre que ce sera votre prochaine caméra? Eh bien tout simplement puisque vous l'avez vu avec ces quelques images à Disney, mais la qualité des iPhones commence vraiment à être sympa. Alors on n'est pas au niveau d'une caméra professionnelle, certes, mais c'est vrai qu'on voit pas mal de créateurs de contenu utiliser leur iPhone comme caméra secondaire ou même parfois comme caméra principale. On a même Apple qui a filmé toute sa dernière conférence avec un iPhone 15 Pro Max et puis personne s'en était rendu compte puisqu'ils l'ont annoncé à la fin de la conférence. Alors forcément il y avait de l'éclairage, il y avait des équipes techniques, il y avait des bons micros, mais c'est aussi en lien avec qu'on vous dit ici sur la chaîne, la caméra ne fait pas tout, votre matériel ne fait pas tout, et c'est un super exemple de ça. Donc aujourd'hui, on va voir pourquoi acheter un iPhone et pas un autre smartphone, et puis pourquoi le dernier, quels sont ses avantages, comment s'en servir. Donc je vais vous donner différents conseils par rapport à ça, mais n'ayez pas peur, il y a aussi d'autres conseils qui valent pour d'autres iPhones ou pour d'autres smartphones au sens large. L'idée, c'est plutôt de discuter autour de tout ça. Et le premier avantage de ce tout dernier iPhone, c'est l'arrivée du mode log. Alors le mode log, c'est un petit peu comme le RAW qu'on connaît en photo ou qu'on connaît aussi d'ailleurs en vidéo. C'est un mode qui est normalement plutôt réservé à des caméras professionnelles ou alors des hybrides moyenne gamme, haut de gamme, et il va vous permettre d'avoir des images avec beaucoup plus d'informations, notamment dans les hautes lumières et dans les basses lumières, et donc d'avoir beaucoup plus de latitude au traitement, au montage. L'iPhone 15 Pro vous permet de filmer en log jusqu'en 4K 30 images par seconde, et vous pourrez même aller jusqu'à 60 images par seconde si vous connectez directement un disque dur SSD à l'iPhone, puisque oui, l'iPhone 15 et tous les suivants ont une prise USB-C, donc vous allez pouvoir directement connecter un disque dur SSD. Une fois que vous allez avoir obtenu vos images en log, donc très délavées, très désaturées, eh bien au montage, dans un premier temps, il va falloir leur redonner un aspect normal, un look naturel, et pour ça, vous allez utiliser ce qu'on appelle une lutte de conversion. Si vous utilisez Final Cut Pro, eh bien elle est directement intégrée. Pour l'utiliser, c'est très simple, une fois que vous avez cliqué sur votre plan, vous allez aller dans la rubrique réglages en haut à droite et même dans la partie information, puis vous allez descendre et chercher lutte de caméra. Si le réglage lutte de caméra n'apparaît pas, c'est peut-être parce que vous êtes en affichage élémentaire. Dans ce cas-là, je vous invite à cliquer juste ici, à choisir affichage étendu par exemple ou même général, et ça vous permettra d'avoir le réglage qui apparaît. Si vous utilisez Premiere Pro, DaVinci ou d'autres logiciels, eh bien peut-être que la lutte ne sera pas intégrée directement. Vous trouverez donc sur YouTube plein de YouTubeurs qui vous proposent des luttes de conversion qu'ils ont créées eux-mêmes pour 20€ ou 50€. Ici, on va faire encore plus simple. Je me suis procuré la lutte officielle Apple et je vous mets un lien dans la description pour y accéder gratuitement. Comme ça, vous aurez juste à l'ajouter à votre plan pour retrouver ce look normal et cet aspect classique de vos images, tout comme si vous aviez Final Cut Pro. Le deuxième avantage de l'iPhone 15 Pro et même des derniers iPhones en général, c'est le mode cinématique qui vous permet en vidéo d'avoir du flou qui est créé de façon logicielle autour du sujet ou de la personne que vous êtes en train de filmer pour imiter un petit peu une vraie caméra avec un vrai objectif et une vraie profondeur de champ. Donc honnêtement, le résultat est quand même de plus en plus bluffant au fur et à mesure des années et des iPhones. Là, si je prends par exemple cette image d'Ant-Man, enfin la personne déguisée en Ant-Man, là je suis en 4K 30 images par seconde, je suis en zoom x2 et en cinématique, et honnêtement le rendu est quand même assez bluffant. En plus l'arrière-plan est gris, le casque est gris, et pour autant ça marche très bien même en mouvement. Et puis en plus l'avantage maintenant, c'est que les données de profondeur sont enregistrées, c'est à dire que vous allez pouvoir aller dans vos photos, cliquer sur modifier sur votre plan et là pouvoir changer en fin de compte la quantité de flou que vous voulez à votre image, voire même la retirer entièrement. Et vous allez aussi pouvoir choisir l'endroit où vous souhaitez que votre mise au point soit faite, donc honnêtement c'est assez cool de pouvoir faire ça une fois que la vidéo est tournée. Et puis du coup il y a le même insert, j'ai envie de dire, dans Final Cut Pro. J'ai découvert ça en faisant le montage. Vous allez avoir une rubrique du coup pareil dans vos réglages sur la droite, une rubrique cinématique, alors qui est désactivée par défaut, donc il faut que vous vous rappeliez un petit peu des plans que vous avez filmés en mode cinématique pour pouvoir le réactiver et avoir le flou. Mais vous allez pouvoir, voilà, de la même façon choisir la quantité de flou que vous voulez et même la zone de mise au point. C'est un mode qui marche super bien, qui peut être parfait dans plein d'utilisations, vraiment hyper utile, mais il a ses limitations. Si l'arrière-plan par exemple est très chargé, si vous êtes en forêt par exemple, qu'il y a beaucoup de branches derrière vous et que vous avez un manteau de la même couleur que les arbres, c'est sûr qu'il va avoir un petit peu plus de mal à vous détourer. Ou si on prend de nuit par exemple, j'ai fait quelques tests à Disney, c'est vrai que de nuit il a un petit peu plus de mal, mais honnêtement c'est quand même très cool d'avoir ça sur un téléphone. Troisième avantage du dernier iPhone, mais là encore aussi des précédents, c'est la stabilisation qui est vraiment énorme je trouve. Les images que je vous mets là, c'est filmé avec un iPhone 14 Pro Max, donc même pas le tout dernier.
Vous voyez que le buggy bouge beaucoup et pour autant l'image est hyper stable. Et encore, je tenais le téléphone parfois à bout de bras juste avec deux doigts. Donc c'est vous dire à quel point ça marche plutôt bien, sans même utiliser le mode action par exemple de l'iPhone, qui vous limite lui à 2,8K et en plus qui a besoin de plus de lumière pour fonctionner. Je trouve que le rendu est pas toujours au rendez-vous, même si c'est super intéressant de l'avoir. Mais voilà, la stab interne de l'iPhone est déjà hyper bien. Si vous voulez aller plus loin et donner vraiment du mouvement à vos images, vous pouvez aussi utiliser un stabilisateur externe comme le DJI Osmo Mobile 6 par exemple. C'est celui que j'ai utilisé à Disney, c'est super pratique, ça prend pas de place, personnellement il tenait dans la poche de mon manteau à Disney, donc c'était cool. Ça se prépare en 2 secondes, ça se sort voilà, de votre poche, clac, en 2 secondes, c'est fait, c'est prêt. Vous pouvez y alterner très facilement entre le mode horizontal et le mode vertical. Il y a même une perche qui est intégrée maintenant, enfin bref, honnêtement c'est vraiment très cool. Je vous le conseille, quelles que soient les vidéos que vous voulez faire avec votre iPhone ou avec votre smartphone au sens large, c'est hyper pratique. On passe maintenant à quelques tips, quelques conseils pour filmer avec votre iPhone. Et si vous voulez d'ailleurs plus de conseils sur la vidéo, et bien si vous n'êtes pas encore allé voir notre formation gratuite, je vous rappelle qu'on a une formation gratuite d'une heure dans laquelle on vous donne tout un tas d'infos pour vous améliorer en vidéo ou pour débuter tout simplement en vidéo. Alors n'hésitez pas, c'est gratuit et le lien est dans la description. Le premier conseil que je peux vous donner, et bien dans un premier temps, c'est d'utiliser l'application native de l'iPhone. Il y a d'autres applis qui existent comme Filmic Pro par exemple, mais c'est vrai que je trouve ça un petit peu moins fluide, et puis j'aime bien pouvoir sortir l'iPhone et filmer directement, et donc pour ça l'application native forcément est toute trouvée. L'application par contre que je peux vous conseiller, c'est l'application Blackmagic Camera, qui pour le coup, elle, est très fluide. Je m'en suis très peu servi, mais elle vous permet une chose intéressante. Quand vous allez dans les réglages, vous allez pouvoir changer de codec, et au lieu de filmer en ProRes HQ, vous allez pouvoir filmer en ProRes LT, c'est-à-dire ProRes Lite, et avoir des poids de fichiers qui sont beaucoup plus faibles. Je vous mets un exemple, j'ai filmé 20 secondes de rush en 4K 24 images par seconde avec l'application native de l'iPhone et avec l'application Blackmagic Camera, et les différences sont assez folles. Avec l'application native de l'iPhone, j'obtiens 1,5 giga de fichiers, avec l'application Blackmagic en mode HQ, j'obtiens 1,8 giga de fichiers, et en mode Lite par contre, là je tombe à 464 MO, donc honnêtement c'est hyper intéressant pour gagner de la place, donc si vous avez besoin de place de stockage, utilisez cette application là. Ensuite, mon premier conseil pour la partie tournage, peut-être que vous ne le connaissez pas, mais vous pouvez sur votre iPhone verrouiller la distance de mise au point et verrouiller l'exposition de votre plan. Pour ça, c'est très simple, quand vous êtes en train de prendre une vidéo, vous restez appuyé sur l'élément qui vous intéresse et ça va verrouiller et la F et la E, donc c'est-à-dire le focus et l'exposition. Ça vous permet par exemple de pouvoir passer devant un obstacle sans que le focus se fasse dessus et de rester sur votre point de mise au point. Et pareil pour l'exposition, ça vous permet de passer par exemple de l'intérieur à l'extérieur sans qu'il y ait une grosse différence et qu'il y ait ces effets un petit peu moches qu'on voit souvent, qui font très amateurs sur les smartphones. D'ailleurs, en parlant d'exposition, eh bien, je vous conseille toujours de diminuer un petit peu l'exposition sur votre iPhone. Pour ça, c'est très simple, vous cliquez sur l'image tout simplement, ou alors vous venez de verrouiller peut-être votre exposition. Et eh bien, dès que vous voyez apparaître le petit carré jaune avec le soleil juste à côté, vous l'attrapez, vous diminuez le curseur, et en faisant comme ça, à mon goût, d'après ce que j'ai pu expérimenter, on obtient toujours des meilleures images. Autre petit conseil, si vous filmez de nuit par exemple, eh bien, n'utilisez pas le mode log, puisque la qualité sera moins bonne. Pareil, je vous mets un affichage, par exemple avec un zoom x200 ou x400, vous allez tout de suite voir la différence entre le même plan filmé avec ou sans le mode log. On a énormément de bruit sur le mode log, même une fois la lutte de conversion appliquée. Donc vraiment, si vous filmez de nuit ou en basse lumière, utilisez simplement le mode normal de l'iPhone, vous aurez un bien meilleur rendu. Voilà pour ces quelques conseils. Personnellement, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à filmer avec l'iPhone. J'avais jamais vraiment pris du plaisir à filmer avec un smartphone. Et là, ça m'a même fait revoir un petit peu ma façon de voir les choses en réalité. Puisque parfois, quand je pars en week-end ou quand je pars en voyage, en vacances avec des potes, c'est vrai que j'ai envie de faire des belles vidéos. Mais je me dis, bon, faut que je prenne ma caméra, éventuellement plusieurs objectifs. Tout de suite, mon stabilisateur si je veux faire des plans un peu sympas. Tout de suite, ça vient hyper encombrant. Encombrant pour moi, pour les personnes qui m'entourent. Alors que là, c'est vrai que la facilité d'utilisation, en fait, un iPhone, un stabilisateur comme le DJI Osmo Mobile par exemple, en 2 secondes vous êtes prêt. Honnêtement, c'est un gros confort, et puis en plus il y a pas mal de fonctionnalités, on l'a vu, qui sont assez intéressantes maintenant. Donc voilà, je pense que pour mes prochains voyages, peut-être que je partirai qu'avec ça. Et puis on l'a vu, vous pouvez aussi l'utiliser en mode GoPro, je l'ai fait dans les attractions à Disney, je l'ai fait à moto aussi par exemple. J'ai aussi testé l'iPhone sur le DJI FPV, je me suis dit pourquoi pas, de temps en temps je mets une GoPro dessus, donc pourquoi pas mettre l'iPhone, ce serait fou d'avoir cette qualité là sur un drone. Bon, le drone a pas trop aimé, les images sont même pas exploitables tellement ça tremble. Donc voilà, je vous déconseille, j'ai testé pour vous, il faut pas le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes prêt à partir en voyage juste avec un iPhone ou un smartphone et un stabilisateur. Honnêtement, je suis curieux de savoir. Et puis si vous voulez faire d'ailleurs des plus belles vidéos de voyage, Ewen a sorti une vidéo il y a pas longtemps sur ce sujet-là sur la chaîne, donc je vous invite directement à aller la voir. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !